Coucou tout le monde. Attends. Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Salut les gens. Bon, le groupe Bilderberg. Voilà. Ah, ça doit être striké ça aussi, tiens. Le groupe Bilderberg. Bilderberg. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui nous cache dans ces réunions? Parce que bon, on n'a pas le droit d'y assister, on n'a pas le droit de savoir les sujets. Bon, on se doute un petit peu qu'il parle du peuple et de la manigance. Mais on va regarder un petit peu ce que ça nous dit par rapport au groupe Bilderberg. Alors. Hop. Bilderberg. On verra si c'est strike ou pas. Je ne suis plus assez prêt. Alors, on nous parle de la justice qui est pas juste. Bah tiens, vous avez changé. Ça, c'est moi qui ai changé peut-être. Déclarer sa souveraineté. Là, ça n'a rien à voir avec le pastis. Bilderberg, qu'est-ce qui nous cache? Prenez à créer ce que vous désirez. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. En fait, j'ai pas envie de faire le tirage de cartes. Non. Ouais, bah je vais prendre un stylo. J'ai pas envie de tirer les cartes. Je vais prendre un crayon et une feuille. On va voir si j'arrive à me concentrer suffisamment pour parler de ces fameuses réunions. Avec les cartes, là, je le sens moyen. Donc. Au revoir. Alors, le groupe, je vais le marquer en toutes lettres, d'accord? D'accord, je le marque en toutes lettres. Attends. Ok. Et on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Alors, une canalisation, il faut savoir, ça dure très longtemps. Mais moi, j'essaye à chaque fois de faire un montage pour couper là où je parle pas, si tu veux. Donc, il y aura un montage par la suite pour que ça paraisse pas trop long pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce groupe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe? Dans ces réunions. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc. Alors, je vois des gens, évidemment, qui se serrent la main. D'accord? Je vois des gens qui se serrent la main, qui se congratulent, qui se sourient. J'ai des gens contents d'être là, de se réunir. Mais j'ai des gens de tous horizons. Enfin... Plusieurs nationalités. Je vois beaucoup le... Je sais pas pourquoi. On me montre le premier ministre anglais. Alors qu'il est super content d'être là. Et qui serre la main à Vander Bidule. À la blonde. Ok. J'ai... Qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? J'ai des graphiques. Alors, il y a des graphiques qui sont affichés via des écrans. Ok.
J'ai de la bouffe, j'ai des. Ouais, bon, bah, c'est une réunion, quoi. Une réunion de travail, plus ou moins. Qui participe à ces réunions? Je vois que la blonde et je vois le premier ministre anglais. Je sais pas pourquoi je vois pas les autres. On dirait qu'ils me sont cachés. J'ai une cérémonie. Et on me parle d'un coffre. Enfin, on me montre, pardon. On me montre un coffre. Je sais pas. Un coffre. Un coffre comme un coffret. Un coffre à bijoux. Enfin, tu vois, un coffre en bois. Qui est au centre d'une table, d'une grande table enfin tout le monde est autour de cette grande table, plus ça fait comme un U ou un ovale, je vois pas trop bien, mais il y a le coffre, il y a ce coffre. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, hein? On parle d'une carte. Dans le coffre, il y a une carte du monde, comme une map. D'accord. On dirait que chacun doit apposer une signature sur des papiers. Bon, c'est peut-être pour participer à la réunion, pour montrer qu'on était là, ou pour signer, en fait, sa présence, pour signaler sa présence. Ok. Je sais pas que j'ai une notion de secret, c'est pas vraiment ça, mais c'est des dispositions et des congratulations. C'est plus ça, c'est comme une acceptation. Comme une. Tu es accepté dans le groupe. Tu fais partie du clan. C'est comme si c'était ça, en fait. J'ai des clés. J'ai des clés dans ce coffre aussi. Donc il y a une carte, mais c'est une vieille carte du monde. Quelque chose d'ancien, quelque chose presque comme une relique ou comme un vestige. Dans ce coffre au milieu de la pièce sur cette table, il y a un coffre avec une carte comme un, c'est pas un papyrus, mais c'est très ancien. Vieille carte du monde. Et j'ai des clés. J'ai des clés un peu dorées. Je ne sais pas si elles sont en or, mais il y a des clés dans ce coffre. D'accord. Une cooptation avec des gens qui se reconnaissent. Et on n'arrête pas de me montrer ce premier ministre anglais. Je comprends pas. Oh, j'ai Zélène. Zélène qui est là aussi. Alors peut-être était-il là la dernière. J'ai Zélène. J'ai la blonde. Ursule là. J'ai qui d'autre?
J'ai... Comment qu'il s'appelle ce monsieur? Oh merde. Ah, son visage est passé vite fait là. C'est un monsieur chauve avec des lunettes. Tu vas me dire, ils sont tous chauves, pratiquement. Bizarrement, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de Français. En tout cas, pas à la dernière réunion. Ah oui, le chauve avec les lunettes, j'ai l'impression que c'est l'autre là. Klaus. J'ai la petite là. Comment elle s'appelle? Pour le climat là. La jeune fille autiste là. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Qui arrête pas d'engueuler les hommes politiques parce qu'ils font pas ce qu'il faut pour la planète. Je sais plus comment ça s'appelle. La nièce à Soso Ororo Ororo. On me parle d'une Maya. Je sais pas qui c'est. Maya. Je sais pas qui c'est. Je connais pas tous les hommes politiques du monde. C'est pas l'abeille. C'est pas l'abeille, c'est une Maya. Elle s'appelle Maya. Il y a une personne qui s'appelle Maya, je sais pas qui c'est. Je vois la première ministre, c'est ça? Je sais plus si elle est première ministre, oui. Italienne. La blonde, la blonde aux cheveux longs, là. La première ministre italienne. Première ministre, je crois. Oui. Ou présidente, je sais plus. Présidente, peut-être. Non, je sais plus. Bref. Elle, je la vois, elle. Mélanie. Voilà, Mélanie. Je vois Mélanie. Bon. Je vais poser une question. Est-ce que c'est dangereux pour nous, ce genre de réunion? Est-ce que c'est pour nous faire du mal? Quand ils se réunissent là, est-ce que c'est pour nous faire du mal? S'il vous plaît. Est-ce que c'est contre le peuple? Est-ce que c'est contre les peuples? Alors, on me dit que c'est une planification, c'est une mise en situation, j'ai l'impression. Comme une répétition. Comme une répétition avec des intervenants. C'est presque comme une grosse répétition avant une belle pièce de théâtre. Tu comprends? C'est toi, tu vas faire ça, tu vas jouer tel rôle, et toi, tu vas jouer tel rôle, et toi, c'est bon, toi, c'est accordé, tu auras tes subventions pour faire tel truc. On dirait que c'est ça, en fait. C'est des accords, c'est des... Ouais. Des accords de... C'est presque comme si on disait, toi tu vas jouer le rôle de le premier ministre anglais, toi tu vas jouer le rôle de la première ministre italienne, toi tu vas jouer... C'est ça en fait. Mais en fait, c'est du cinéma en fait. Alors, pourquoi ils veulent pas que ce soit révélé, qu'ils parlent de complot, tout ça, quand on dit qu'il y a ce genre de réunion, pourquoi ils veulent ça garder, et ils veulent garder ça secret? En fait, on me dit que c'est parce que ils veulent garder leur précaré. Ils veulent, c'est un petit peu comme, ils veulent pas qu'il y ait de caméra, ils veulent pas qu'il y ait d'articles qui soient forcément écrits là-dessus et tout. Ils veulent pas qu'il y ait des images qui soient diffusées parce que c'est leur précaré, c'est leur disposition, c'est leurs petits arrangements et c'est leur clan. C'est comme si c'était leur clan. Tu sais, c'est comme les grosses familles riches. J'ai l'image, on m'envoie l'image du feuilleton Dallas. C'est-à-dire, ils ont leurs préoccupations qui sont trop loin de celles du peuple. Je sais pas comment t'expliquer. Ils ont des discussions
de gens au courant. Ils ont des discussions de gens riches, entre guillemets. Donc, c'est pas les mêmes préoccupations que nous. Donc, on n'y comprendrait rien. On est trop loin de ça. Et donc, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ils ne voient pas l'intérêt de que ce soit diffusé. Voilà. Ils ne considèrent pas que ce soit forcément mal de faire ça, c'est juste que c'est leur truc, ils sont ensemble, tu sais, c'est comme quand on dit private joke, c'est une plaisanterie entre nous en fait, tu comprendrais pas en fait, c'est ça, un peu cette ambiance qui est bizarre, qui est... Et en tout cas les gens qui sont là-bas, ils sont très heureux d'y être en fait, d'y participer. Ils sont contents. Voilà, on te donne le feu vert, tu as le droit. T'es adoubé, quoi. Tu as la pastille, c'est ça. J'ai beaucoup de sécurité autour, bon, ça, on le sait. J'ai beaucoup de sécurité, j'ai beaucoup de... C'est presque comme si on calfeutrait, s'il y avait des fenêtres, on mettrait des trucs devant pour pas qu'on voie à travers les fenêtres ce qui se passe, tu vois. Mais... J'ai pas l'impression d'avoir des trucs trop bizarres ou quoi qui se passe. C'est plus comme une grosse réunion de travail. Ouais. C'est pas à ce niveau-là. C'est pas là qu'ils font des méchancetés aux enfants ou qui font du ou qu'il y a du de merde comment on dit ça des qu'il y a du Ah, je cherche le mot, pas le vrai mot, pour pas que ça se traquer. Les globules rouges, tu vois. Il n'y a pas de liquide rouge qui coule. A priori, c'est plus du vin, ou du vrai vin. Mais c'est pas à ce moment-là. Tu vois, c'est pas dans ces cercles-là exactement. C'est comme s'ils se ciraient les godasses. C'est comme s'ils se faisaient de la lèche les uns les autres. Et en fait, ils veulent pas que ça se sache. C'est-à-dire, ils veulent pas que, par exemple, ils veulent pas que, comment qu'il s'appelle, Klaus, il soit copain avec Mélanie, ou que Mélanie soit copine avec Ursula. Ils veulent pas que ça se sache. Parce que sur la scène de théâtre, ils sont censés plus ou moins être adversaires. Donc, que ça sache qu'ils sont copains en vérité, quoi, tu vois. C'est un peu ça, c'est ça qu'ils veulent cacher. C'est pas concrètement ce qu'ils disent ou ce qu'ils font lors de ces réunions, c'est le fait qu'ils aient des liens tous ensemble. Ils veulent, voilà, ils veulent pas qu'on le sache. Je regarde si je vois des gens, d'autres gens. Il y a des gens connus. Mais il y en a moins que ce qu'on pourrait croire. Je vois beaucoup de gratte-papier, beaucoup de gens qui prennent des notes, beaucoup de secrétaires. C'est comme si ils établissaient un registre avec tout ce qui se dit pendant ces réunions, tout ça. Mais j'ai... C'est pas tous les ans... Enfin, je sais pas si c'est annuellement qu'ils se réunissent, mais c'est pas à chaque fois qu'il y a les mêmes personnes. C'est pas forcément tout le temps les mêmes personnes qui sont là. Tu comprends? Je sais que Macaroni a été invité, et après il est passé chef de l'État. Je sais que tous ces gens-là, Bush est passé chef des US ensuite. C'est des gens, voilà, ils y vont peut-être une fois. Ils y vont pas à chaque fois, en fait. C'est ça. Par contre, j'ai un visage qui revient sans arrêt. C'est Olivier V. Olivier V, j'ai l'impression qu'il y a participé récemment. Notre ministre, qui était anciennement de la Santé. Maintenant, je sais même plus ce qu'il fait. Je ne me suis pas intéressée à son cas. J'ai l'impression que je le vois, là. Je le vois. J'ai qui encore? J'ai le gars de l'eau plus loin M, plus loin S.
que je vois d'autres. Ils s'entendent tous ensemble, en fait. Et je ne sais pas ce que c'est ce plan et ces clés. C'est en fait le plan et les clés qu'il y a dans le coffre, dans le coffret là en bois ou en un truc assez luxueux, mais c'est plus une, je sais pas, une marque pour dire c'est cette réunion qui a lieu. Pour dire que ils font rien vraiment avec, mais c'est là, ça représente leur alliance. C'est comme s'ils avaient... Oui, ça y est, je viens de comprendre. Les clés du monde. Ça y est, je viens de comprendre. Les clés du monde. Ils ont les clés du monde. C'est le symbole, en fait. Ok. Ok, ok. Donc, ils sont contents de faire partie de ce clan hein, qui a les clés du monde. Ok. C'est comme s'ils faisaient de grandes simulations sur, tu sais, par ordinateur, avec qui, si on fait telle chose, qu'est-ce que ça provoquerait comme réaction en face, tel plan, telles idées. Ils mettaient en commun leurs idées pour faire tel truc sur la population. C'est ça, c'est un état des lieux, c'est une... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ces réunions? C'est tout un processus. Et c'est comme si participer à ça, à cet événement, c'est presque l'aboutissement, juste avant d'accéder au pouvoir, en fait. Tu vois, c'est le passage. C'est comme un rite de passage. Oui, c'est presque un rite de passage. J'ai pas réellement de méchanceté ou de... C'est pas ça. Dans leur tête, de dégénérer... C'est comme ça qu'il faut faire, point barre. Alors, qui décide dans ces réunions? J'ai même pas vraiment un décideur, en fait. C'est juste on se remet ensemble, mais officieusement, pas officiellement. Si tu veux, officiellement, tu as le G7, tu as le G20, même tu as le truc économique forum... Tu as tout ça, ça c'est plus ou moins officiel. Là, Bill, plus loin Berk, là, c'est leur truc à eux. C'est leur précaré, faut pas y toucher. Il y a des secrets peut-être qui sont révélés. Ou... Mais on dirait qu'ils ont des liens de presque de parenté. Je sais pas s'ils ont des liens en commun, tous ces gens-là, mais il y a des liens qui se font et en fait c'est... C'est pas qu'il y a des choses privées, enfin, plus secrets, peut-être un peu, mais c'est juste qu'ils ont besoin, je sais pas pourquoi, mais ils ont besoin de que ce soit fait, pas officiellement, pas trop officiellement, pour pouvoir dire des choses peut-être plus ouvertement, entre eux. Des accords, signer des accords aussi, des papiers, je vois des papiers. Thank you.
le Billy Laporte, hein, le Billy GATES, il y a déjà participé. C'est comme si, en fait, chacun faisait plus ou moins un jour, assistait plus ou moins à ça, un jour dans sa vie, quoi, dans son parcours. Mais c'est pas tous les ans, c'est pas tous les 4 ans, je sais pas à quelle fréquence c'est, mais ils y vont pas à chaque fois, en fait. Ils y sont pas conviés à chaque fois. C'est juste un rite de passage. C'est comme un passage. Tu viens là, et après, tu as accès à d'autres positions. Pour gérer le monde, voilà, c'est ça. C'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais les gens. Bon, eh bien, je crois que j'ai terminé. Je ne vois rien de plus, on dirait. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens. Passez une bonne journée. Bye bye.